Marie, enchantée. Mode, make-up, life, conseils. Ici, je partage que du positive vibes. Alors bienvenue sur ma chaîne. Voilà, bon, aujourd'hui on est dimanche, ça se voit, je pense à ma tête, je me suis pas maquillée, mais bon, j'ai pas envie de me maquiller, donc je me maquille pas. Aujourd'hui, je te retrouve dans une nouvelle vidéo. Je pense que tu vas être très contente parce que c'est une vidéo qui m'est demandée, mais plein de fois, parce que c'est vrai que ma chambre a beaucoup changé depuis que j'ai fait mon dernier room tour. Mais du coup, je te retrouve pour un room tour. Voilà. Et voilà la vue de ma chambre d'ensemble quand on entre. Elle est assez grande. C'est vrai que j'ai de la chance de ce côté-là. Là, c'est ma porte. Oh là, comme on voit. Très sympatoche. Elle est très belle, cette porte grise. Alors moi, j'adore. Commencer par ici. Donc le côté portant, miroir, tout ça, tout ça. Ici, du coup, il y a un petit portant très sympatoche, très beau, très pratique. Sous lequel on a mis une planche de bois qu'on a rajoutée, qu'on a acheté chez Castorama, il me semble. Donc elle est vraiment canon. Enfin, canon, c'est simple, quoi, mais c'est super pratique. Et du coup, dessus, j'ai mis une partie de mes chaussures. Je dis bien une partie parce que j'en ai pas... J'ai pas que 4 paires quoi. Après à côté il y a une fausse plante qui vient de chez Centre Accor. Avec le pot c'est la même chose. Et du coup sur ce portant j'ai mis quelques bananes. Celle-ci la Longchamp, je l'adore. Elle est trop trop belle, je l'avais eu en solde chez à Lisbonne. Une banane comme ça elle vient de chez Chine. Celle-là, une Levi's transparente. Et là il y a plein de vestes. De toute façon j'avais fait une vidéo où je vous montrais toutes mes vestes. Si vous voulez la voir vous pouvez, elle est toujours disponible. Au-dessus on a une étagère qui vient de chez Ikea où je pose quelques sacs. Et un petit pot qui vient de chez Ikea aussi. On me demande souvent aussi, mais mes LED ils viennent de chez... Oh, je sais même plus pour vous dire, ça faisait longtemps que je les avais. Je les ai retrouvés au-dessus dans... Parce qu'au-dessus de mon immeuble, on peut ranger des trucs dans des espèces de... d'anciennes chambres de bonne. Mais je crois qu'on les avait achetés chez Centre Accor si je me trompe pas. De toute façon, vous pouvez en trouver vraiment partout, genre sur Amazon. Enfin, sur Internet, tu en trouveras partout. Tu tapes LED sur Google et hop, tu trouveras. Ici on a mon miroir. Voilà, très sympatoche pour les petites tenues Insta. Parce que j'aime trop vous montrer tout le temps ma tenue en story. Tous les matins j'essaie de faire ça. Il est canon ce miroir, il vient de chez Ikea. Si tu regardes mes vidéos je pense que tu as reconnu un peu l'angle là. Parce que c'est là où je filme mes vidéos. Mais franchement j'aime bien. Très sympatoche, très beau, très... très moi. Bon, on s'installe un peu, on sera mieux non. Avant que vous me le demandez, ma chambre elle doit faire, je sais plus, peut-être 15, 16, 17 mètres carrés, quelque chose comme ça. C'est vrai qu'elle est très grande. C'est vrai que c'est top quand même. Parce que je peux vraiment mettre plein de meubles. Mais du coup, ici, on a mon petit bureau. Mon petit. Ouais, il est plutôt grand. C'est un grand bureau qui vient de chez Ikea. Et je l'aime trop. Il est vraiment très bien. Peut-être pas assez de rangement, mais bon, ça, franchement, ça va. C'est un peu le bazar ici au niveau des tiroirs. Il est blanc, tout banal, tout simple. Je crois qu'il coûtait pas très cher. Donc c'est très cool. Alors, ici, du coup, je vais vous montrer un peu les tiroirs. Il y a vraiment plein de choses. Et là, il faut vraiment que je fasse le tri parce que c'est toutes mes affaires. Il y a des affaires de cours, il y a un peu le chantier ici quoi. Faudra peut-être que je range. J'ai ma chaise qui vient de chez Jiffy il me semble, ouais. Ensuite il y a mon iMac, très bien, très sympatoche. Une petite bougie que mon papa m'avait offert qui crépite, j'adore, elle fait du bruit quand ça crépite. Là c'est une petite boîte qui vient de chez Jiffy. La déco elle vient de chez Jiffy. Là la fleur avec le pot ça vient de chez Ikea. Ici j'ai un petit planeur où je peux écrire dessus, mais je vous avoue quoi, j'écris jamais dessus. Ici on a un pot, enfin un rangement qui vient de chez Jiffy où j'ai mis des stylos, des stabilos, des carnets, voilà, petite lampe chez Ikea, des petites photos qui viennent de chez Lalalab façon Polaroid, j'adore. Et ici on a deux étagères, franchement j'adore, qui viennent de chez Ikea et j'ai mis plein de décos dessus qui viennent de chez Ikea. Le globe il vient de chez Jiffy, comme la boîte, enfin le truc à photo à côté. Mon petit trophée YouTube, oh lolo. À côté, bah du coup, enfin en face, il y a mon lit. Il est très sympatoche ce lit, très grand, très king size. Très comme j'aime. En plus on a mis un matelas et le matin on l'a surélevé en fait. Et du coup ce qui fait qu'on est bien quoi. On dort bien la nuit là-dessus, je te le dis moi. Il y a un lit vraiment énorme. Enfin je l'adore, j'adore. En plus il y a des rangements des deux côtés. Oula, faudra peut-être que je range. Ça c'est parce que j'ai fait une story pour vous montrer le colis que j'ai reçu. Et moi dans ce tiroir j'aime bien ranger mes sacs en fait. C'est hyper pratique. Et là je mets mon oreiller pour dormir dans celui-là. Il y a du coup bah, la housse de couette qui vient de chez Ikea. Les coussins ils viennent de chez Ikea aussi. Oh là là, c'est incroyable ça. Tout vient de chez Ikea. Ma lampe bah, c'est la même que celle qu'il y avait sur mon bureau. La petite plante vient de chez Ikea. Le pot Ikea. J'ai mon enceinte de chez Marshall, quelques petites décos, bouteilles d'eau, tout ça. Et au-dessus, j'ai rajouté des petites tablettes étagères toutes fines où j'ai mis deux cadres et
un petit bidule là, le petit bidule là, qui vient de chez Mimucho, qui s'allume, mais il n'y a plus de piles, et on peut mettre des photos. Et en fait, mon lit, il existe à la base, tu peux avoir que le cadran tout seul, mais moi, ce que j'ai rajouté, c'est tout ce pack ici, où il y a les livres, en fait, la tête de lit, et comme ça, tu peux vraiment mettre plein de trucs. Bon, il y a un peu de fil là. Désolé, c'est pas très joli, mais en gros là sur le côté j'ai rangé plein de livres. Et là il y a mon petit tabouret qui vient de chez Jiffy, des idées de génie comme on dit, mais c'est trop bien Jiffy, il y a plein de déco pas cher. À côté il y a une porte, donc ceux qui ont vu ma vidéo sur le room tour de ma pièce secrète savent ce qu'il y a derrière. Mais je pense que pareil je vous referai une vidéo sur cette pièce parce que ça a pas mal changé, il y a pas mal de nouveautés, de nouvelles organisations et tout, donc je pense que je vous montrerai tout ça. Mais du coup à côté il y a une étagère Kallax je crois, avec 9 cubes en tout, et c'est vraiment pratique. Au-dessus j'ai un cadre que mes amis m'ont offert pour mon anniversaire, donc c'est à Montmartre en fait, et ils savent que j'adore Paris par-dessus tout, et du coup ça m'a fait trop plaisir. Là c'est un carton avec plein de produits, merci Andy, parce que j'ai fait un... Oula. Ah, ça racle le mur, j'aime pas, ça me fait des frissons. J'ai fait un concours sur mon Instagram, donc voilà. Ensuite là, c'est mon sac The Couples qui est tout aplati, ma foi, bon. C'est pas top. Une petite brume parce que j'adore mettre de la brume dans ma chambre. Fausse plante de chez Ikea. Là, c'est un rangement à bijoux que j'ai acheté chez Jiffy. Mon Polaroid. Un petit sac. Là, il y a des tiroirs avec... Franchement, rien d'intéressant. Des photos, des trucs que je sais pas où ranger en fait que je mets là. Là, il y a un petit plateau qui vient de chez Ikea avec bougies. Des petites décorations qui viennent de chez Ikea ou... Jiffy. Ça c'était un cadre au fond que j'avais reçu quand j'étais sur Octoly, genre ça date où je m'appelais Une Girl Brune, j'avais 10 000 abonnés, oh my god ça date de ouf. Qui était là quand je m'appelais Une Girl Brune, dites-moi en commentaire. Et là après c'est mon coin appareil photo parce que à la base mon Canon il est rangé là. Des petites bougies, là c'est plein de paniers que j'ai acheté chez Ikea, où je range vraiment plein de... plein de choses quoi. Bon bah écoutez, j'ai terminé de vous faire un petit room tour de ma chambre. J'espère que vraiment vous avez kiffé, que ça vous a donné des petites idées de décoration. N'hésite pas à laisser un gros pouce en l'air, ça me ferait trop plaisir. Viens me rejoindre sur Insta et TikTok parce que je suis méga active. Moi je te fais des gros bisous et je te dis à plus dans le bus.